Bonjour au sommaire, la Golf Cabriolet en 3D, les DS 3WRC en Finlande, David Coulthard, excellent comédien, et le plein de vidéos de la BMW M5. La Golf Cabriolet se fait attendre. Pour faire patienter les plus pressés, Volkswagen lance une application ludique sur smartphone. Principe, vous faire découvrir en 3D la découvrable. Pour tenter l'expérience réalité augmentée, il est nécessaire de télécharger le logiciel gratuit Volkswagen Virtual Golf Cabriolet sur l'Apple Store ou sur l'Android Market. Pour jouer avec le toit de la Golf Cab, modifier la couleur de la carrosserie ou changer les jantes, vous devrez viser avec l'objectif de votre smartphone ou iPad, la publicité, la carte postale ou bien le podium spécifique placé chez votre concessionnaire. Pour jouer dès maintenant, imprimez la page dédiée sur le mini-site de la Golf Cab, arrivée du modèle en concession le 9 septembre. Le championnat du monde des rallyes fait étape en Finlande. Avant l'ouverture des pistes, Sébastien Loeb et Kimi Raikkonen ont participé à l'initiative de leurs sponsors communs, Citroën et Red Bull, à un roadshow dans les rues d'Helsinki. Saut, drift, donuts, les pilotes n'ont pas fait semblant au volant de leur DS3 WRC pour assurer le spectacle. Séance de dédicaces et parade en DS Cabriolet étaient également au programme pour le plus grand plaisir du public venu en masse. En parallèle au rallye, il y aura de la F1, pas de récréation en marge du Grand Prix de Hongrie. Pour la troisième fois de la semaine, nous repartons en Allemagne sur le mythique tracé du Nürburgring. Au programme, les facéties de David Coulthard, le nouvel ambassadeur AMG. Il a joué les sacs de sable dans la SLS AMG de Nico Rosberg. Un parcours où l'on voit le pilote s'accrocher aux arceaux, jurer, s'amuser du revêtement pourri du tracé et hurler. Le final est à la hauteur de la prestation avec une sortie de la voiture façon larve. Alors Nico doit-il repasser par la case école de pilotage ou bien David est-il un excellent comédien? On opte plutôt pour la deuxième option. On termine ce JT avec la M5. BMW s'est enfin décidé à livrer les vidéos de sa super sportive. La berline OV8 4 litres 4 biturbo de 560 chevaux a fait escale en Espagne. Virée dans les rues de Séville, puis cap vers Marbella au sud en empruntant les petites routes de montagne. Au final, c'est séance détente pour le pilote sur l'Ascari Race Resort, le circuit le plus long d'Espagne avec ses 5,4 km. On se quitte sur ce résumé du périple en images. À demain.